j'avais décidé de courir ma course, de me mettre dans ma bulle, de penser à mon petit garçon, de penser à Stéphanie qui était en train de courir son 24 heures. Pour le moment, je ne connais pas son résultat. Et puis, voilà, d'être dans ma bulle et de ne pas courir en fonction des autres, mais de courir avec des sensations à moi. Chose que je ne fais pas forcément d'habitude. Et voilà, je me suis éclatée pendant tout. J'ai pris du plaisir, je ne me suis pas mise dans le rouge. J'ai couru avec plusieurs groupes de mecs, des gens très sympas tout le temps. Et voilà, je me suis fait plaisir. Quel est l'objectif pour toi pour 2016, là, maintenant? Alors, 2016, je n'ai pas encore d'objectif pour le début de la saison. Par contre, j'ai en ligne de mire l'Ultra Trail de Belleville et la Diagonale des Fous. Avec quelques sorties sur la route ou pas alors? Alors, pas mal de sorties route cette année pour préparer le marathon de Vannes, ce qui m'a permis de reprendre de la vitesse et de découvrir que j'aimais la route. Donc voilà, j'ai envie de faire les deux. Donc, je pense aussi à l'Éco-Trail de Paris qui pourrait bien me correspondre. Sur le 80 oui. Okay. Pour le moment, j'ai surtout repris les sorties sur sentier côtier, sur la route. C'est là que je m'entraîne. Merci.